Pour aller mieux, vous devez éliminer la cause de ce stress. Réfléchissez bien, y a-t-il quelque chose qui vous contrarie? Oui. Gadget. La cause de mon stress, c'est gadget. C'est toujours gadget. Parlez plus fort, je ne vous entends plus. Je déteste gadget. Je suis là, mon colonel. Lieutenant Gadget, prêt à recevoir les ordres, mon colonel. Vous devez éliminer la cause de ce stress. Oui. Je dois éliminer la cause de mon stress. C'est facile. C'est moi le chef ici. J'ai tous les pouvoirs. Je peux le faire. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas, mon colonel? Non. Au contraire, tout va très bien. C'est même le plus beau jour de ma vie. Et vous savez, vous êtes un excellent danseur, mon colonel. Mais tout ça, c'est fini pour de bon. Parce que... c'est moi qui ai le pouvoir, ah! Et je peux réduire la cause de ce stress en fumée. Oui, je peux le faire. Je peux la réduire en fumée. Et très bien, colonel. Et dites-moi où est cette cause que je la réduise en fumée. Alors, où elle est, cette fameuse cause, mon colonel? C'est vous qui êtes la cause. Mon colonel, vous me flattez une fois de plus. Regardez-moi bien. Écoutez-moi attentivement pour une fois. Vous êtes renvoyé. Finito, du balai. Vous connaissez la formule. Inutile de rappeler, on vous recontactera le cas échéant. Je vois. Et que dois-je faire en attendant que vous me contactiez, colonel Poilonnet? Je m'en contrefiche. Je sais pas, moi, vous pouvez toujours chercher un travail. Excellente idée. Je vais prendre un de ces petits boulots en attendant que vous me contactiez. Non, ne vous mettez pas dans un état pareil. L'appel du devoir passe avant tout. Allez, dépêche-toi un peu. Sophie nous a chargé de surveiller le lieutenant Gadget pendant qu'elle est en colonie de vacances. Il avait sans arrêt des coupures d'eau chaude dans la douche. Et je vois pas où est le problème qu'il y a un robot. Je fais ça pour la vapeur. Ça me fait du bien. Ça me détend pour la journée. Messieurs les Gadgetini, en rang par deux et suivez-moi. On nous a confié une mission secrète. Une mission secrète? Qu'est-ce que c'est? Je ne peux rien dire, c'est top secret. Par où on commence? Par ici. Dites-moi que je rêve. J'ai réussi. Ça y est, il est parti. Gadget est enfin parti. Plus rien ne pourra m'arriver maintenant. Gadget! Parole, les gens sont vraiment pressés à l'heure du déjeuner. 28 hamburgers, 12 avec du fromage, les 16 autres sans fromage, j'en ai 8 sans salade, 3 autres sans ketchup, 4 avec mayonnaise, 8 au cornichon. J'oubliais bien la classe à emporter et 13 à consommer sur place. Et que ça saute! Docteur Kang, je crois bien que ces rumeurs à propos de Gadget sont vraies. Il a bien été viré du groupe. Très intéressant. Je vais continuer à le suivre, juste au cas où ce serait encore une de ces ruses. C'est parfait. Je tiens enfin Womp à ma merci. Alors, je voudrais une portion de frites, un hamburger et un milkshake. Un hamburger au bacon et des frites, s'il vous plaît. Moi, je connais, c'est la même chose. Allez, vas-y, à la sauce.
Gadgeto extincteur à mousse. Vous, regardez ce que vous avez fait. Vous êtes renvoyé. D'accord, je suis renvoyé. Je comprends ce que vous voulez dire. Alors, voyons voir. Il me faut un autre petit boulot pour attendre qu'on me contacte. Parfait. Hé, taxi! À l'aéroport. Et vite, je suis pressé. Vous avez bien dit à l'aéroport et que vous étiez pressé. Ah. Attachez votre ceinture. Go, Gadgeto, au revoir. Ah, j'y suis arrivé. Et avec 5 bonnes minutes d'avance. Merci. Où est-ce que vous vous croyez? Touriste, bouge toi de ta côte, dégarez à ma place. Je n'arrive pas à comprendre un traître mot de ce qu'ils disent. Gadget, ici la centrale. Vous êtes viré. Et ça, par contre, je comprends très bien. Digit, qu'est-ce que tu fais? Je lave les vitres. Comment se passent tes vacances? Très bien, mais pourquoi tu laves des vitres? C'est un secret. C'est ce que je craignais. Fidget, Digit, je veux savoir ce qui se passe. T'es pas la seule, je déteste faire les vitres. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un secret. Ok les gars, je vais me renseigner, je vous recontacte. Et c'est ça, ne regardez pas en bas, vous risqueriez de rater une poussière. Mais non, mais... Allez-vous-en, boost. Boost. Laissez-moi tranquille. Allez, tout le monde descend. Je suis en mission secrète, enfin. Et go, go, Gadgeto, repousse pigeon. Hey, salut! Comment ça va? Jambo, je chasseur de tête. On vient de vous virer, c'est ça? Et comment le savez-vous, monsieur? Je travaille chez Sécurité Plus, pour tout vous dire. J'embauche. Oh, je vois. Vous êtes conseiller en recrutement. Vous voyez, mon boulot, c'est de recruter de nouveaux employés pour Sécurité Plus. Et c'est mon contact. C'est exact. Sécurité Plus s'assure de l'efficacité des systèmes de sécurité dans les sociétés. Wow. Si on arrive à pénétrer chez elles, c'est qu'il y a comme un hic. Vous me suivez? Et donc, monsieur Bosch, vous voulez qu'on soit... Neutralisateur de sécurité, comme c'est précisé dans notre annonce. On recherche neutralisateur de sécurité. Ancien employé de WOMP de préférence. Capacité à se transformer à volonté en de nombreux gadgets. Intelligence facultative. Je correspond tout à fait au profil. Docteur Gang, je vous présente notre dernière recrue au sein de MAD. Gadget! Excellent travail. Alors les gars, qu'est-ce que vous faites? On va au boulot, quelle question? Avec le lieutenant. Comment ça? Quel boulot? Neutralisateur de sécurité chez Sécurité Plus.
pendant ce temps, je me renseigne. Ces gens-là sont vraiment très forts. Ils ont même réussi à camoufler leur immeuble. Hey, Gadget, vous êtes pile à l'heure. J'aime ça. Votre première mission en tant que neutralisateur de sécurité en chef est de tester le système de sécurité du Musée Royal des Arts de l'Antiquité. Non, ta gadget, c'est là que se trouve la plus ancienne des momies sous très haute surveillance. Vous avez tout à fait raison, mais le boulot, c'est le boulot, pas vrai? Notre patrimoine historique est désormais privé d'un bien très précieux. En effet, la plus vieille momie répertoriée au monde a été dérobée. C'est inestimable. Extrêmement impressionnant, Gadget. Je vous remercie. Nous avons bien fait de tester leur système de sécurité avant qu'une fripouille comme le docteur Gang ne tente un cambriolage. Gang? Où ça? Hein? Hein? Oh oui, je vois. Elle est bien bonne. Alors, votre prochain cambriolage, oh, enfin, je veux dire, travail est, comme qui dirait, assez délicat. Je veux que vous testiez la sécurité du plateau télé du Téléthon qui sera présenté par le célèbre Gérard Mansu. Non, ta gadget. Le Téléthon! Messieurs, nous allons passer à la télévision. Eh ouais! Alors, elle est pas belle, la vie! À cause de ce vol, c'est la première fois de son histoire que le Téléthon de Gérard Mansu n'est pas parvenu à battre son précédent record. Le voleur que vous voyez à l'écran a été identifié. Il s'agit d'un ex-employé de Womp, récemment licencié, le lieutenant Gadget, également reconnaissable sur les images de cette vidéo de surveillance. Alors c'était donc ça? Ils ont fait donc le Gadget un voleur? Ça va être à moi de jouer. C'est parfait. Ok, patron. Votre plan a marché. Le monde entier pense que Gadget est un truand. Et maintenant... Le tout dernier travail de Gadget. Fidget, Fidget, écoutez-moi bien, mais ne dites rien, d'accord? Le colonel Paul Wanet a renvoyé oncle Gadget. Et sauf erreur, vous travaillez maintenant pour le docteur Gang. Quoi? Sophie, est-ce qu'on est dans le pétrin? Je crois bien, mais pour l'instant, continuez à aider oncle Gadget, le temps que je trouve un moyen de régler cette pagaille. Gadget, cette fois-ci, vous allez devoir pirater, enfin, je veux dire tester le système de sécurité qui protège le super ordinateur POL 5000. Non, ta gadget! Mais c'est l'ordinateur central de Womp! Son disque dur contient tous les renseignements de l'organisation. Ça ne va pas être facile cette fois. Ce n'est pas impossible. Mais c'est important de vérifier que personne d'autre ne peut violer le système de sécurité parce que toutes les données qu'il y a dans le disque dur, il ne faudrait pas qu'elles tombent entre les mains de gang, d'un gangster. J'ai hâte de montrer au colonel Poilonnet que je peux faire du bon travail en piratant toutes les bases de données de Womp! C'est bien ce que je pensais. J'embauche un agent de MAD. Sécurité Plus est une société bidon. Fidget, Digit. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant? On est déguisés en fleurs, ça ne se voit pas. Le lieutenant est censé nous livrer à Womp. On doit tester la sécurité de l'ordinateur central. L'ordinateur central de Womp, tu dis? Oui. Le lieutenant est chargé de voler le disque dur. Tu veux qu'on se dénonce? Non. Au contraire, continuez à aider oncle Gadget. On va donner une bonne leçon au docteur Gang. Il faudra que je pense à signaler au colonel Poilonnet que l'entrée est cassée. Allez, télécharge! Ça y est, c'est terminé. C'est fascinant ce qu'on arrive à faire avec quelques mots de passe. Ah, c'est si bon d'être enfin chez soi. Vous le trouvez? Lieutenant, Gadget. Un intrus. Non, pas Gadget. Je parie qu'on essaie de voler le disque dur de l'ordinateur central. Il faut absolument le récupérer et le mettre en lieu sûr.
Gogo Gadgeto, patin fusil. Allez, viens, Sophie nous a dit d'aider le lieutenant. On est obligé. Bon, d'accord. Gogo Gadgetino fusée, planche à roulette. Pas exactement. Regardez, je crois bien que je viens de le trouver, messieurs. Bonjour, je suis l'ordinateur central POL5000. Je suis l'ordinateur le plus perfectionné, le plus sophistiqué que Womp ait jamais possédé. Et vous pouvez m'appeler Paul. Bonjour, Paul. Je dois démonter votre disque dur. Aïe, je suis désolée, lieutenant Gadget. Je ne peux pas vous laisser partir. Je n'ai rien contre vous, mais je suis programmée pour arrêter les voleurs. Alerte à tous les systèmes. Détruisez le lieutenant Gadget. Non, Gadget. Et Gogo Gadget, on vient voir. Écoutez, je suis en mission secrète. Je suis chargé de m'assurer que personne ne peut voler les données que contient votre disque dur. Je suis désolé, cette explication n'est pas répertoriée. Je répète, alerte à tous les systèmes, détruisez le lieutenant Gadget. Gogo Gadgeto, patin fusée. Gadget, par ici. Excellent travail. Vous feriez mieux de mettre ça en lieu sûr. Il y a un intrus dans le bâtiment. Il cherche sans doute à s'emparer des secrets de Womp. Je connais la cachette idéale. Vous savez quoi? Vous devriez attendre ici qu'on vienne vous arrêter. Enfin, je veux dire qu'on vienne arrêter cet intrus. Bonne idée. Un de ces quatre gros malins. Hein? Alors, ça s'est bien passé, ta colonie de vacances? Super! On a appris à transformer un disque dur en bombe avec un simple coup de fil. Enfin, il est à moi. C'est parfait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Si vous êtes en train de visionner ces horribles vidéos amateurs du lieutenant Gadget, c'est que vous avez volé ce disque dur qui s'auto-détruira dans 5 secondes. 4. 3. Je retournerai. 2. La prochaine fois. 1. Gadget! Colonel Paul Wanet, à propos de votre décision de renvoyer Gadget de Womp. Laissez-moi vous expliquer, mon général. Tout ça, c'est la faute de Gadget. C'est lui qui m'a poussé à le faire. Vous êtes trop modeste. Hein? Vous le trouvez? Faire croire que Gadget avait été renvoyé pour qu'il passe pour un criminel et qu'il puisse ensuite infiltrer Mad et déjouer le plan machiavélique de Dr. Kong, c'était génial. Mais bon, je vais vous laisser tous les deux. Je suis persuadé que vous saurez trouver les mots appropriés quand vous épinglerez cette médaille sur Gadget. C'est la mission la plus agréable qu'on m'ait confiée, mon colonel. Dites-moi ce que je peux faire pour vous remercier, ce que vous voudrez. Aïe! J'ai trouvé. Je vais tester le nouveau système de sécurité pour vous. Non, je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit. Je veux juste que vous sortiez de mon bureau. Merci, mon colonel. Hein? Oh, Gadget, il voulait tester le système de sécurité. Complètement ridicule. Et c'est quoi ce fil qui prend? Oh, non, 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 non,